Le parti Sanyafodebou ainsi que toute la nation burundaise commémore ce 21 octobre 2020 le 27e anniversaire de l'assassinat de Son Excellence Melchior Ndadaye, héros national de la démocratie. Le parti Sanyafodebou rend le plus grand hommage à la mémoire du héros national de la démocratie, Son Excellence Ndadaye Melchior, président fondateur du parti Sanyafodebou, qui a sacrifié sa vie pour l'instauration de la démocratie, l'équité et la dignité au Burundi. Nos distingués hommages sont aussi adressés à tous ses compagnons de lutte, aux cadres de l'État, qui ont été assassinés pour la même cause, dignes de porter le nom de martyrs de la démocratie au Burundi. La commémoration de cet événement au cours de ce mois d'octobre 2020 survient quelques mois après la fin du processus électoral de 2020 qui s'est soldé par la mise en place des institutions élues par le peuple. C'est une période propice pour que le peuple burundais fasse une rétrospective sur les années passées d'exercice de la démocratie depuis 1993 au Burundi. Depuis l'année 1993, au cours de laquelle les ennemis de la démocratie ont commis ce crime odieux, le peuple burundais a tant souffert et a tant bien que mal essayé de se reconstruire. Ainsi donc, le pays a connu des hauts et des bas. En effet, la démocratie que prônait le héros national de la démocratie n'est pas seulement le multipartisme et les élections multipartites, il y prônait aussi et surtout le bien-être de tout le peuple, la paix pour tous les citoyens burundais et la prospérité de la nation. Le parti Sanyafodebou appelle en conséquence tous les citoyens burundais en général et tous les hauts dirigeants de notre pays en particulier à prendre pour modèle l'action de Son Excellence Ndadaye Melchior dans sa détermination d'asseoir au Burundi des valeurs d'une société réconciliée, digne et prospère, des valeurs qui par ailleurs ont été reconfirmées par l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. Le parti Sanyafodebou ainsi que toute la nation ont toujours réclamé que justice soit faite. Nos remerciements et appuis vont à l'endroit des institutions gouvernementales actuelles qui ont décidé de remettre à jour le procès concernant cet ignoble assassinat. Le parti Sanyafodebou reste engagé dans la poursuite de ce procès en tant que parti civil constitué jusqu'à ce que justice soit faite. Le parti Sanyafodebou demande aussi au gouvernement d'organiser au Burundi les états généraux de la démocratie et consacrer une journée nationale de la démocratie au Burundi. Nous souhaitons une bonne journée de commémoration à tout le peuple burundais. Je vous remercie.